Le prix Women in Motion permet de faire la lumière sur un travail d'une femme photographe. En 2021, c'est incroyable de devoir passer par un prix pour défendre la photographie féminine et le travail d'une femme qui ont toujours été présentes dans l'histoire depuis le début de l'histoire de la photographie et du médium. Je ne citerai pas les expositions qui l'ont présentées. On peut se rappeler de « Faut-il avoir peur d'une femme photographe ?» par exemple. Magnifique exposition du musée d'Orsay de Marie Robert. En 2020, en cette année si troublée, alors c'était la jeune lauréate de 96 ans, Sabine Weiss, qui a reçu ce prix. Il y a des handicaps d'être une femme de temps en temps. D'abord, il y a souvent beaucoup à porter. Souvent, on se déplace avec beaucoup de matériel et c'est très lourd. Et par exemple, le reportage, quand je travaille sur des sujets d'actualité et qu'il y a beaucoup d'autres photographes, toujours ils me disent « Allons, ma petite mémère, mettez-vous de côté, laissez faire les photographes !» C'est un handicap. J'ai commencé la photographie en 1942. Ça fait un peu... Je dis toujours aux gens « Votre mère n'était pas née. » J'ai pas dû réfléchir très longtemps. J'ai dit, dans le fond, puisque j'aime faire des photos, pourquoi je serais pas photographe? Ça s'est fait comme ça. Bon, alors maintenant, tu sais ce qu'on va faire? On va te photographier avec les oiseaux. Alors tu vas le prendre dans ta main. Attends, reste debout, je vais te le donner. Attends, oui, tu sais, il est gros pour sortir par cette petite porte. Ah, là, 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 là. Oh, on y arrivera bien. C'est pas une vie de chien, ça. Hein? Attends, on va essayer de pas la vider, hein. Voilà. Ah, mais je crois qu'il est pas content. Photo-publicitaire, photo d'enfant, portrait des enfants. Je n'aime pas être classée dans une catégorie précise. J'aime commencer à faire un travail et avoir du plaisir à le faire, me jeter dedans. Parce que vous faites un peu tout cela, d'ailleurs. Oui, mais enfin, ce qui me plaît beaucoup, ce sont les atmosphères. Simplement des choses qui me plaisaient, que je rencontrais. Et je n'aime pas tellement qu'on me classe dans la catégorie humaniste, parce que je suis photographe un peu complète, enfin, c'est comme un artisanat. C'est pas très modeste ce que j'ai dit là, mais c'est vrai que je suis assez fière d'avoir beaucoup travaillé et fait des choses très différentes.
Alors, Sabine me demande de parler. Chère Sabine, vous disiez ce matin dans votre exposition qu'il fallait ressentir les photos plutôt que de les voir. Quand on voit ce film, je crois que tout est dit. Alors avant toute chose, je voulais remercier Christophe de soutenir le programme Women in Motion pour la place des femmes dans la photographie avec autant de conviction. Merci Christophe. Et maintenant, c'est mes prédécesseurs aussi, à mon prédécesseur. Sam. Je ne sais pas où il est, mais... Comme tu l'as dit, 2020 était une année particulière qui nous a empêchés de faire beaucoup de choses, et notamment de remettre votre prix Sabine à Arles l'année dernière. Il nous était donc impossible de ne pas saisir l'occasion cette année, et on voulait se rattraper ce soir au cœur du théâtre antique. Donc, chère Sabine, c'est à moi que revient l'immense honneur, et avec un très très grand plaisir, je vous remets ce prix Woman in Motion 2020, puisque l'année dernière, on n'a pas pu le faire. Et je voulais vous dire qu'au sein du Théâtre Antique, avec Christophe, Jean-François, Kering, nous sommes tous profondément heureux de vous remettre ce prix qui est en train d'arriver sur scène. Sabine, lorsque je vous ai rencontrée la première fois dans votre atelier, chez vous, et que j'ai découvert votre univers, j'ai été frappée par votre travail, par votre regard d'artiste, donc pas d'humaniste, mais d'artiste, et par quand même l'humanité qui transparaît dans toutes vos photos et dans les yeux des gens que vous photographiez. Impressionnée aussi par votre intelligence, par votre présence, et on va le dire, un certain sens de l'humour. Donc Sabine, c'est avec un bonheur et beaucoup d'émotion que ce soir nous vous remettons ce prix ensemble. Formidable. Écoutez, je suis vieille, alors je n'ai pas beaucoup de force, vous savez. Il est vraiment lourd. Écoutez, je peux vous dire que je suis tellement pleine de remerciements pour ce prix Kering, parce que c'est une grande surprise pour moi. Je ne savais pas, et sauf qu'il y a quelque temps maintenant. Et quel bonheur, quelle récompense. C'est vrai que j'ai eu un métier que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fait pendant beaucoup d'années, puisque j'ai presque 97 ans. 97 ans, j'avais 97 ans à la fin du mois. Dans une chaise roulante, c'est parce que j'ai mal aux pieds. Mais autrement, je suis assez en bonne forme pour faire encore des photos, mais je ne les fais plus. Je ne les fais plus parce que les appareils modernes, les portables, les petites les téléphones et tout ça, ça m'a coupé l'envie. C'était bon. Mais enfin, la photographie, c'était un métier merveilleux. Et quel bonheur d'avoir maintenant des prix Kering pour finir des choses comme ça. Tantôt, on travaillait, mais on n'était pas reconnus. Surtout pas en tant que femme, où on me disait, quand il y avait beaucoup de photographes, il y a des situations où il y a beaucoup de photographes qui poussaient, qui disaient, allez ma petite dame, allez, laissez faire les photographes, allez. Mais moi, je ne laissais pas faire. J'avais le caractère que j'ai aujourd'hui. Alors, ne n'en parlez pas, mais c'est ceux qui vivent avec moi, parce qu'ils vous diront des choses bizarres. Merci beaucoup. Non, mais je n'ai pas mauvais caractère. Merci beaucoup. C'est inattendu et merveilleux. Merci beaucoup.
Merci. Oui, alors l'exposition de Sabine Weiss est visible jusqu'au 26 septembre au Muséum Arlatin. Voilà. Je vous encourage évidemment à aller voir.